En tout cas, c'est une bonne initiative. C'est très bon que le gouvernement a fait. On n'a qu'à remercier le gouvernement pour ce qu'il a fait pour la population. Quoi. Je suis content de tout ce qui se passe, hein, parce que là, avec cette pandémie, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Donc j'encourage le gouvernement, le Premier ministre avec le président Alassane, afin qu'on puisse sortir de cette ornière, parce que là, ça commence à décimer le monde entier. Donc je les félicite et je sais qu'ils vont faire encore plus pour qu'on puisse trouver la santé. Pour moi, un don de solidarité, c'est pour aider les personnes vulnérables et les personnes pauvres qui n'arrivent pas à se nourrir. Mais bon, je trouve que c'est bon. Mais le problème qui se trouve, c'est que quand le gouvernement remet les dons, il faudrait qu'ils suivent les dons pour savoir là où exactement les dons vont. Parce qu'on voit des choses qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, il faudrait que les dons là doivent être là où il faut. Ce que le gouvernement en effet, c'est bon. C'est bon, ça aide souvent les femmes à pouvoir se débrouiller. Solidarité, c'est pour les populations. Mais nous, on ne trouve pas. Ceux qui trouvent, ils sont trouvés. Nous qui souffrons, là, on n'a pas trouvé. Donc solidarité, là, je vois que c'est pas... Non, le fonds de solidarité, c'est une action louable. C'est vraiment louable. C'est mieux, c'est quelque chose de très bien pensé. Parce qu'en cette période difficile pour chaque être dans le monde, les autorités ont pensé bien de faire très bien d'ailleurs. Je suis totalement d'accord et totalement... je leur remercie, je remercie le gouvernement et puis toutes les bonnes volontés qui viennent en aide aux uns aux autres quoi, en cette période très difficile. Que Dieu nous protège de cette pandémie.